Salut, alors je vais vous présenter Alexia Boabas. Salut, je vais vous présenter Laurine Lelong. Ses meilleures amies, c'est moi. Sa meilleure amie, c'est moi. Le mec qu'elle kiffe, c'est mon papa. Ce qu'elle aimerait faire dans sa vie, c'est être esthéticienne. Ce qu'elle aime, c'est qu'elle aime sa mère et elle aime moi. Et ses projets, son avenir, c'est réussir dans sa vie, que ses parents soient en bonne santé. Elle voudrait que sa famille soit en bonne santé et réussir sa vie et construire une famille. Inch'Allah, je te le souhaite. Et ce qu'elle déteste faire, c'est le ménage. Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter Boro. Je vais vous présenter Laila Tepouen. Alors, il est algérien, français, il habite à Carcassonne à la Côte. C'est d'origine, c'est algérienne, Kabyle. Il aimerait être plombier, il aime sa mère, sa grand-mère, son papa. Liam, c'est son amour. Il veut se marier avec Alexia. Et voilà. Je vais vous présenter Naila Tupou. Elle vient de la Côte. Ce qu'elle aime faire dans la vie, c'est la danse. Et elle aimerait aller, elle va souvent à Paris. Elle aimerait aller en Algérie. Ses copines sont moi. Après Laurine. Bravo, voilà, bisous. Kalash. Tu me dis quand tu filmes. Bonjour à tous, je m'appelle Imad, je vais vous présenter Ryan. Bonjour à tous, je m'appelle Ryan, je vais vous présenter Imad. Dans le milieu, on l'appelle Chimal, dans le quartier. Bon, avant, il habitait à la Côte. Quand il était petit, il partait jouer au petit chemin. Et son métier, il veut être ingénieur. Ryan, il est d'origine marocaine et maoré. Il est né en France. Vous inquiétez pas, il a ses papiers. Ensuite, il a peur des abeilles, il est claustrophobe. Et il a peur des serpents, il a peur du vide. Dédicace à salade niçoise. Dédicace à salade niçoise. Bonjour, je vais vous présenter Sofiane El Kaouchi. Donc, je vais vous présenter Chaïd. Il aime Marseille, le Maroc. Il est marocain, il habite à Carcassonne, à la Côte. Il aime manger au McDo, au tacos. Et il aime manger dehors. Ses fast-food préférés, c'est les tacos et McDo. Il aime sa famille. Il aime le foot. Il aime sa famille, ses amis. Il veut un bon avenir. Il veut un très bon avenir. Salade niçoise, c'est le zouga. Dis-moi quand ça commence. Ça commence quand? Bonjour, on va présenter Wassim. Salut, je vous présente Sabri. Il est algérien marocain. Il habite à la Côte. Wassim aime bien sa maman, sa famille, jouer à FIFA. Comme qu'est-ce qu'il aime? Il aime sa famille, ses deux grands-mères, ses trois frères, son père et sa mère. Il aimerait pas y aller en prison. Et il aimerait bien avoir un beau métier. Et il aimerait bien avoir une bonne santé. Bonjour, je vais raconter la vie de Liam. Liam aime bien voyager dans le monde. Il aime beaucoup ses amis, sa famille. Il aime beaucoup aller manger au McDo, au kebab. Il aime bien se promener, visiter des monuments. J'aimerais bien aller à Paris, visiter la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Dilali. J'habite à la Côte, à Carcassonne. Mon rêve, ce serait d'être pilote de motocross. J'aime ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, ou chez la roseraie. Alors moi, un jour, j'aimerais aller en Thaïlande, Dubaï, Miami, Londres. Je suis français d'origine algérienne. C'est bon. Depuis que je suis tout petit, moi j'habite ici. Pour eux, c'est quartier chaud, pour moi c'est la Côte City. Nous sommes allés en camping à la Dame. On a fait du théâtre, on a appris à filmer. On est descendu à Carcassonne. À la Côte, on a filmé notre quartier dans différents endroits. Nous avons fait une carte du quartier et nous avons ciblé des points pour y aller visiter le quartier et filmer cet endroit. Silence, action, ça tourne. Bonjour, je vous présentais le centre social de la Roseraie qui comporte le pôle ado, famille et ELC, espace ludique et culturel. Ce centre social regroupe plusieurs quartiers tels que le quartier d'Ozanam, La Côte et Sainte-Marie. Bonjour, alors la Roseraie c'est là où on passe la majorité de notre temps libre. Ça fait un an que j'y suis.
C'est ouvert tous les soirs après le collège. On joue à FIFA, ils nous aident à faire nos devoirs. La roserie, c'est un endroit où on s'amuse, où on passe des bons moments, où on sort de notre quartier. Des fois, on fait des petits voyages, par exemple à Aqualand, etc. Et c'est bien parce qu'on peut jouer à la play, faire du billard, faire du baby-foot et voilà. Bonjour, on se retrouve au McDo de Carcassonne à proximité de notre quartier Lacombe. On vient souvent manger au McDo ici car c'est pas cher. Et c'est un lieu de rencontre où on peut se rencontrer, on peut venir entre potes, etc. On est sur la terrasse de McDo, c'est souvent là où on mange quand il fait bon, entre amis, entre copines, entre amoureux, entre ce que vous voulez. Bonjour, donc là on est à Bazar, à l'épicerie du quartier. Donc c'est là où toutes les familles elles viennent acheter de la farine, de la semoule. Donc voilà, c'est là où il y a les pipas, les mioum mioum. Et là où on peut acheter plein d'autres choses, des chips, des boissons, des bonbons, il y a de tout. Donc là aussi il y a des boissons arabes, du cachir, et voilà. Bonjour et bienvenue au collège de Jules Verne. C'est positionné en face de la Conte. Les personnes de la Roseraie sont souvent dans ce collège, majoritairement. Pour nous, c'est le meilleur collège de Carcassonne. On fait beaucoup de voyages comme en Allemagne, en Italie, on va à Londres, etc. Cette année, des troisièmes de la Roseraie ont passé leur brevet et l'ont réussi. Et l'année prochaine, il y en aura d'autres comme moi, et ainsi de suite. Voilà. Donc bonjour, on se retrouve dans la mosquée El Salam de Carcassonne. C'est la plus grande mosquée de Carcassonne. Donc tous les croyants musulmans se retrouvent tous les jours de la semaine pour prier. Surtout en particulier le vendredi, car c'est un jour important de la semaine dans la religion musulmane. Salut, on se retrouve chez moi, à la Conte. Je grandis ici depuis petite et Naïla aussi. On venait ici pour faire les devoirs après l'école, on s'amusait. On allait à la danse, on faisait de la danse et c'était juste là au quartier, à couleur citoyenne. On a les écoles à côté, la maternelle, le primaire, et le lycée et le collège. On allait au petit chemin, c'est à la Conte, en bas, au quartier. C'est là où on peut se poser entre potes, etc. et on s'amusait. Il y a le city aussi en bas à côté. On a tout à côté. On a le McDo, on a la ville et on a les transports pour bouger partout. Et voilà. Bonjour, je vais vous présenter Mendor, le coiffeur de la Conte. Tous les petits et les grands, ils se coupent ici, du quartier. Quand ils coupent les cheveux, les gars, ils parlent. Ils parlent plus qu'ils coupent. En plus, ils nous lancent des sujets de discussion. Voilà, on ne comprend pas. Bon, je vais appeler un témoin, mon ami. Voici, viens. Bonjour, j'ai été témoin des catastrophes de Mendor. Un pied d'or. Il fait des expériences. Il fait ça à la règle, mais sans règle. Il n'a pas besoin de compas. Il fait des contours de magnifiques. Mendor, quand il coupe, il ne s'arrête plus. Vous lui dites stop, il continue. Ben là, maintenant, je vais vous parler du parc de la Conte. C'est ici où toutes les mères et toute la famille, en fait, qui se reposent dans le parc pendant le soir, surtout pendant le ramadan. Les chiens, ils peuvent s'amuser ici et tout. Ensuite, voilà, quoi. Bonjour, je vous présente mon garçon Zanam. Ici, on est au City. C'est l'endroit où on passe le plus de temps, où on joue au foot, on s'amuse, on rigole. On fait des matchs, des tournois, des qualifs. On fait 120, 180, on fait plein de matchs et tout. On passe pratiquement toutes nos vacances ici. Et pendant le ramadan, le soir, on restait beaucoup là. Jusqu'à je ne sais pas quelle heure, mais on restait tard le soir. Et des fois, on fait des tractions sur ça, mais voilà. Bref. Bonjour, on va présenter le balnéo. C'est une chicha pour les garçons, pour les filles, pour les enfants. On recommence. On va présenter la chicha, le balnéo. C'est fait pour les hommes, pour les garçons. On peut fumer, rigoler, boire, manger. Ça ouvre à 21h, ça ferme à 7h du matin. Il y a tout type de personnes et c'est fait pour tout le monde. Depuis que je suis tout petit,
j'habite ici. Pour eux, c'est quartier chaud, pour moi, c'est la Con City. Des souvenirs, je veux ta cité, c'est le ska. Dans ma cité, ça respecte pas le système. Quand y a des problèmes, ça chill. Je fais ça pour l'été, moi, je m'en tape de la thune. Je veux être une fierté, ils veulent tous faire fortune. Le respect, faut le mériter, mais garder la foi, c'est dur. Le passé, c'est le passé, à présent, je pense au futur. On nous prend pour des voyous, mais dealers. On n'est pas tous des voleurs, des dealers. Ça tourne. Bonjour, alors aujourd'hui je suis devant la roserie. Bonjour. Je me présente, Wassim Damani, journaliste de BFM TV Tchou. Et en face nous avons la concurrence BFM TV Truy. Nous allons parler avec le cheval le plus parlant du monde, Christophe. Christophe, as-tu la forme? Christophe, ça, imagine la vidéo, elle est morte. Pourquoi? Parce que. Allez, ça retourne. La conte image de vie. Strictement dégueulasse. Allez. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous raser. C'est bon, putain, mon masque est pas vidéo. Donc voilà comment se déplace cette dame. La fou. Et voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Dis au revoir. Oh, la politesse. Au revoir les amis et on se retrouve après la pub.